Kubozora, pourquoi êtes-vous devenue joueuse de roller derby? Alors j'ai commencé par faire de l'artistique quand j'étais jeune. Maintenant j'ai 30 ans, donc je suis un peu moins jeune. Mais je cherchais à renouveler mes patins, j'avais envie de remonter, d'avoir une sensation de glisse. Et j'ai découvert le roller derby un peu par hasard en ayant sur internet. J'ai vu qu'à La Roche, du coup, il y avait une équipe qui se montait. C'était le tout début. C'était intéressant pour moi d'être au tout début d'une équipe et de commencer vraiment quelque chose de concret. On était 5 au début. Et puis, bah, j'ai tenté. Et en fait, l'essayer, c'est un peu l'adopter. Donc voilà, nous voilà là, 2 ans après. Et je fais toujours du roller derby. Malgré tous les clichés stéréotypes, ce n'est pas juste des nanas en petites culottes qui se tapent dessus. C'est très, très physique. Donc, c'est sur des patins roulettes. Il y a énormément de vitesse, de contact.